Leader gang base 400 Marozoa, Jermaine Joly alias Yon, qui a seulement 29 années sous tête, li, comparaît devant un tribunal dans Washington mercredi 4 mai. D'après la justice américaine, Jermaine Fermin en prison en Haïti depuis l'année 2018. Et lise yon nan lide base 400 Marozo. La justice dit misye tap dirige opération gang lan depuis an dedans prison côté li servi ak téléphone cellulaire sans aucune supervision. Gang 400 Marozo a te réclamé responsabilité pour kidnapping 16 citoyens américains ak yon citoyen canadien nan saison automne 2021. La justice américaine toujours a mené enquête sous Kassa et yo poko arrêté ni accusé officiellement coupable. La justice américaine accusé monsieur ensemble ak 3 autres individus d'esque yo te comploté pour violer loi qui contrôlait sa États-Unis exporté, commettre fraude contre États-Unis, trafic contrebande et puis faire blanchiment d'argent. Procureur gouvernement dans Washington ak George Piro, agent spécial FBI, Bureau Fédération Investigation États-Unis, qui gère Bureau Agence lan nan Miami, qui annonce nouvelle la mercredi. L'autre moun yo akize ensemble ak Jermaine yo c'est Elian Tunis, 43 ans, yon citoyen américain qui rete Pompano Beach nan Florida. Jocelyn Dor, 29 ans, yon citoyen haïtien qui habite nan Orlando, Floride. Et puis Walder Saint-Louis, 33 ans, yon citoyen haïtien qui a vive Miami. Accusation la justice américaine dit entre septembre ak novembre 2021, monsieur te comploté pour yo acheter et fournir zam ak munition by gang 400 Marozoa en Haïti. Accusation dit tout que vers 12 janvier 2021, 400 Marozo te kidnappé ak zam citoyen américain yo te kembe pour rançon. Pendant yon audience devant juge fédéral américain Robin, avocat États-Unis Karen ak avocat défense Jermaine lan te décidé pour misye rete nan prison sans caution parce que li commet yon gros crime ak yon zam dangereux. Et parce que gen an pile chance pour misye essayer échapper pour li si yo ta la gel. Jermaine à travers avocat li te mette d'accord pour sa fête et juge la dit si li change l'idée li toujours ka voye yon pétition bay tribunal la. Accusation mande tout pour États-Unis notifier officiel consulaire ambassade Haïti que li nan prison aux États-Unis. Consul haïtien ka aide Jermaine joignon avocat. Communiquer avec famille et puis venir visiter li dans prison. Extradition aux États-Unis. N'a pas rappelé que États-Unis te extradé monsieur mardi sorti Port-au-Prince dans un avion spécial FBI Bureau Fédéral Investigation États-Unis. La justice américaine dit police nationale Haïtia te aidé ak GFOSA. Pendant audience mercredi a juge la avocat yo accusé a ak interprète li te diskite sou détention caution ak prochain audience lan. Loi pays États-Unis mandé pour accuser comparaître devant la justice vite et pressé. Cependant, à cause ka Jermaine lan compliqué en pile, d'après la justice américaine, avocat gouvernement mandé pour yo faire yon exception et ba yo jusqu'à 8 juillet pour yo préparer pour prochaine paraître devant tribunal là. Avocat États-Unis a dit gen plus passé 5000 documents yo gen comme preuve contre monsieur et que ça pral prend temps pour réviser tout. Kidnapping citoyen américain. Prochaine audition ou bien prochaine audience Jermaine Joly li projeté d'après juge Robin qui fixé pour 17 mai. Audience ça c'est varion audience préliminaire côté accusé a va plaider coupable ou non coupable et yo va discuter sur l'autre détail dossier. Après ça Jermaine va comparaître devant tribunal encore 8 juillet. C'était avec vous SMOG Smog, SMOG Baby de Negmaon TV. N'a pas invité like, partager vidéo ça à tout côté. Ciao ciao tout le monde, na encore.